Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, politique, clôture des consultations initiées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, décalé de 24 heures. Le FCC Famille Politique de Joseph Kabila est resté campé sur sa position de ne pas y participer. Hormis les consultations nationales, la crise en République démocratique du Congo sera également évoquée lors du sommet extraordinaire de la SADC qui va se tenir ce vendredi. Probable évacuation de Vital Kamerhe pour des soins appropriés, l'opinion très divisée, les détails dans ce journal. Enfin, l'élu de Lukunga et les airs Tamboué à la rescousse des personnes vivant avec handicap, dont sa judiciaire, plusieurs dents en nature. Ce sont là les titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va participer au sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ce vendredi, qui sera présidé par le chef de l'État botswanais, Dr Moko Guechi. La crise en République démocratique du Congo sera également au menu de discussion. Prendront part à ce sommet République démocratique du Congo, Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Tanzanie, Malawi, Mozambique. Ce sommet extraordinaire sera précédé le 26 novembre par une réunion du comité ministériel. Consultation nationale, le FCC, regroupement politique de Joseph Kabila, a décliné l'invitation de Félix Tshisekedi. Philippe, vous me suivez. L'information a été livrée via le compte Twitter du ministre Steve Mbikai l'après-midi du mercredi, journée consacrée par la présidence de la République pour la clôture des consultations nationales initiées par le président Félix Tshisekedi. Le président des regroupements politiques, membre du FCC, à l'issue d'une réunion, ont décliné l'invitation du chef de l'État pour les consultations présidentielles en marge de la création de l'Union sacrée de la nation. La même source révèle que le FCC reste disposé à dialoguer avec Félix Tshisekedi dans le cadre de l'accord qui lie les deux parties et dans le respect de la Constitution. Le regroupement AAB adhère aux consultations nationales. Une délégation de ce regroupement important du FCC a été reçue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au sortir de la rencontre, le chef de la délégation, le député national Bienvenu Akilimali, dit que l'heure de la pensée unique est révolue. Des détails dans cet extrait que vous propose Philippe Vaud. Des partis politiques membres de AAB, du FCC, mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, afin de faire sortir notre pays de ce bourbier où il se trouve. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État et nous avons bravé et la peur et tout ce que vous pouvez penser. En tant que FCC, nous nous sommes dit non, cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays et donc nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Vous savez que dans le FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle, et donc c'est amen, mais nous avons dit non. Ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la survie d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation, c'est pour l'intérêt des peuples congolais. Nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leurs petits-fils. Mais donc, nous les demandons vraiment de rejoindre l'Union sacrée des Nations. En réaction à l'audience du député national du regroupement AAB, Bienvenu Akilimali, le regroupement AAB dénonce une tentative de manipulation de l'opinion et dit rester fidèle à son autorité morale, Joseph Kabila. Reçu par le chef de l'État, le Condor suggère à Félix Tshisekedi de reconstituer la majorité parlementaire par une révisitation de l'accord FCC-CACH. Gabin Chitea est le président de ce parti politique. Au micro de Arnaud Massamba. Suivez.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Inquiets du bon fonctionnement de notre très chère nation, par le privilège de s'être consulté suivi de la remise de notre mémo au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le parti politique Convention nationale de démocrates pour un ordre nouveau Condor en sigle, estime proposer les préalables suivants aux décisions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur ses conclusions des consultations. Pour la Condor, nous recommandons 1. Établissement d'un esprit de pardon et de conciliation à la place de celui de l'exclusion. Préalable principe indispensable pour le fonctionnement harmonieux des institutions par l'union sacrée de la nation. 2. Après soutien récolté de consultations et pour plus de cohérence, la reconstitution de la majorité parlementaire par la révisitation de l'accord CASH-FCC s'avère impérieux pour harmoniser et ouvrir les nouvelles adhésions afin d'équilibrer le fonctionnement de la coalition. Cette ouverture aux adhésions à une nouvelle majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation est une solution sine qua non d'aboutir à un gouvernement idéal capable de faire face aux 9 défis du discours du 23 octobre dernier du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ceci, la Condor vous invite, chers compatriotes, à mettre l'eau dans le vin et à soutenir sa proposition pour l'intérêt supérieur de la nation. Que Dieu bénisse la RD Congo. Et l'on parle d'une légère reconfiguration de l'espace politique dans le prochain gouvernement, conséquence des balais diplomatiques pour mettre fin à la crise qui sévit dans le pays. Philippe, vous me suivez. D'après Africa News, la République démocratique du Congo va vers le dégel après la médiation française, kényane et égyptienne. Il y aurait une légère reconfiguration du paysage politique réparti de la manière suivante. Les francs communs pour le Congo FCC, 60%, les CAP pour le changement CASH, 35% et l'Union sacrée, 5%. Pour trouver une issue à la crise actuelle, les émissaires de pays africains et occidentaux n'ont cessé de multiplier les échanges avec Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Martin Fayoulou. Le dimanche dernier, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, a reçu à Kinkakati le missaire du président français Emmanuel Macron. Selon une source citée par Belga, le président Tshisekedi ne peut ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni se constituer une majorité dans cette dernière, ni demander la démission du gouvernement. Et elle conclut que l'issue des consultations nationales reste incertaine. Changeons de registre à présent. Fini la polémique autour de la banque où devait être logée la taxe sur la délivrance du nouveau passeport biométrique congolais. Le ministre des Finances a choisi la FBN Bank pour l'ouverture d'un compte. Bekimbelou pour plus de détails. Suivez. Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, le ministre de Finances, Séléa Alagouli, a jeté son dévolu sur la FBN Bank pour l'ouverture d'un compte séquestré chargé de recevoir le produit de la taxe sur la délivrance du passeport ordinaire, électronique et biométrique collecté par le banque agréée désignée à cet effet. Sous l'intitulé contrat gouvernement LOCOSAM passeport biométrique, le ministre Célé a précisé par le truchement d'une lettre adressée à la FBN Bank le 23 novembre que ce compte sera mouvementé sous la double signature de son ministre au nom et pour le compte de l'État congolais et du représentant de LOCOSAM. La tension monte du côté de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Albert Yuma qui a joué un rôle considérable dans le contrôle des finances du pays sous Joseph Kabila est de nouveau candidat président à l'élection convoquée le 26 novembre 2020. Cette candidature déplaît à certains membres du cabinet du chef de l'État qui n'ont pas hésité à donner des injonctions à son administrateur général Kimona Bonongue pour écarter Yuma. Cet ADG dénonce cette immixtion dans une correspondance adressée au président de la République, Félix Tshisekedi. Décryptage de l'article de la consoeur électionnette.com dans cet élément. Suivez.
Décider d'écarter Albert Yuma pour l'élection du président national de la Fédération des entreprises du Congo pour positionner Dieudonné Kassembo, estimant qu'il est le candidat de Félix Tshisekedi, certains membres du cabinet de la présidence de la République ont donné des injonctions et des orientations en rapport avec la tenue de l'Assemblée générale et élections convoquées pour le 26 novembre 2020 prochain. Pas d'accord avec cette situation, son administrateur délégué, Kimuna Bonongue, a dans une correspondance du 23 2020 adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, dont une copie est parvenue à la consoeur electionnet.com, dénoncé cette situation. Dans la correspondance, Kimuna Bonongue explique le caractère apolitique de la fédération qui ne bénéficie d'aucun subside de l'État, vivant exclusivement des cotisations de ses membres et est une organisation professionnelle la plus représentative du secteur privé en République démocratique du Congo. Kimuna Bonongue précise toutefois que l'implication des membres du cabinet de Félix Tshisekedi dans l'orientation du droit de choix du futur membre ne fera que fragiliser la FEC qui joue un rôle primordial dans l'animation d'un secteur privé dynamique créateur d'emplois et des richesses. Il sollicite par ailleurs l'implication personnelle de Félix Tshisekedi pour que son Assemblée générale se déroule dans un climat de paix et de sécurité, sans interférence ni immixtion de quelque nature que ce soit. Affaire à suivre. Comme annoncé en titre, probable évacuation de Vital Kamerhe pour de soins appropriés, vu la détérioration de son état de santé, l'opinion très divisée à ce sujet. Justin Magnoureux, suivez. Sommes-nous déjà à l'aube d'une évacuation sanitaire de Vital Kamerhe vers l'étranger? La question taraude les esprits depuis que le vice-ministre de la Justice congolaise, Bernard Takaïché, l'a envisagé à l'issue d'une visite au centre hospitalier Nganda où le directeur du cabinet du chef de l'État est interné. Takaïché a vu l'état de santé de Kamerhe se détériorer. Cette situation a depuis suscité diverses réactions. Si certains sont favorables à cette éventualité au nom du principe de l'humanisme qui voudrait voir personne, même un prisonnier, laissé pour mort alors qu'on peut le soigner, d'autres par contre crient à l'injustice. Pour eux, Kamerhe doit être traité comme tout autre détenu et non bénéficier des faveurs. Et de poursuivre que l'homme peut être soigné ici en RDC car sur place, les hôpitaux valables existent. Faire autrement serait lui offrir la liberté alors que sa place est en prison car condamné pour corruption par la justice. Il n'est pas question donc de soustraire Kamerhe de la justice, martèle-t-il. SOS d'une femme souffrant des infections graves au micro de Philippe Vumpi. Suivez. Maman Philomène. Message na ngezali boye bana na nzambe osalisanga au moins 3500 dollars toté ki nyoso ndako po basala bo di mitoté kanini ezate yango na pusa ne pona bino bande ko nangai osunga ngala likambo oyeliki makasi. Je suis un frère de famille, je suis un frère de famille, je suis un frère de famille, je suis un frère de famille. Pas 20 ans, ma bé. Na botem na defoana. Alors, defoana, c'est quoi, yo, fait le roi. Le docteur, le bagu, n'a pas fait le roi. Au salisanga. Merci beaucoup. Et nzamba pambola bino. Maman Denise, ba photo n'a pas kuna, na tikara kuna na Union africaine depuis le 10 février 2020. Et papa Katumbi, biscoza, le machin, n'a kina ilanda yo, mon colo, kende kina cimetière pour n'a pour rendre. Hommage à papa Pierre Lumbi, que son âme repose en paix. Na komi ku na moyen ko ta ezala kité na mon sécurité le kaki makasi na ngaki na mona en face na lasi le même juste na mona ki ne likambo ici la ki mais na singio na zala makasa ko ma lumba kité mais na ibi ke message na nga oyo ezo komela obisiko zali sali sangai
Salissanga papa kotumina bibala likambo pardon mink. Tout à fait autre chose. À présent, des personnes vivant avec handicap et leurs enfants ont pu bénéficier d'un don de charité de la part de l'élu de Lukunga et les airs Tamboui, élément de Gertrude Ololo. Suivez. La Fondation Ismaël, les personnes vivant avec handicap et leurs enfants ont été reçus chez le député national Eliezer Tamboui, dit Mwana Mboka. Nous sommes dans la matinée du mardi, souci de répondre aux désiderata de ces personnes atteintes de déficience physique. Eliezer Tamboui leur a offert des dons de chaises roulantes, vêtements, fournitures scolaires pour leurs enfants et d'autres biens. L'élu de Lukunga rappelle le rôle d'un politicien qui est celui de servir la population. Et là, on a continué avec Sabine Zaboui. Mutsoki azo koka koka bate soki azane loko ya muke même soki azu ba miyara koka bate boite. Yango to lobaki soki muke monani. Il faut to sala nini toka bola. Ko senga bino tozo kende na étape oyo. Tozo banda na ko remettre na bana fourniture scolaire. Ok, parce que classe est bandaki, ils en a bana ou peut-être bakoti ko kindete pona kozanga nini akotanga nango. Toko pesa bana étape ya mi balé toko pesa ba auto alinya ki pona ba chaise roulante. Tokani? Oui. Ya mi sa tu tokena mwa eloko akolia na sabuni. Tokani? Oui papa. Mais loko ngana ko ebisa bino. Ata soke za muke mie voto zo ata ver moko moko ya loso ke mtu azanga boete. Boye. Yango toko senga bino boko se regroupe. Hein? Po voza la kebiso to za kote moko. To identifier bino. To pesi ya bino bino moko boke ko kabola boete. Boye. Si dans un climat de paix qui s'est clôturé cette rencontre. Tout de suite l'invité du vrai journal. Suivez. Bonjour, bienvenue. Nous recevons une fois de plus le président de la Dynamique Katumbi, président Jackie Ndala. Président, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, merci. Bienvenue. Jackie, vous venez fraîchement de Kikwit Bandundu. Je vais rappeler ici que vous étiez au Congo central, vous étiez à Kisangani, vous êtes un peu de gauche à droite au Congo, on va creuser. Mais comment ça s'est passé en une minute avant qu'on y revienne ? Comment Très bien, une population chaleureuse. Que nous a reçu avec un mot patriotisme et surtout militantisme, parce que nous sommes allés installer la coordination de la DKP Dynamique Katumbi président Kikwit. C'était formidable. Le Bandundu. Le grand Bandundu, évidemment. Vous savez que nous sommes à Kenge, nous sommes à Massima Nimba, nous sommes à Bandundu Ville. Vous êtes allé chez Mozito à la frontière, on dirait. Pas la frontière. Le président Mozito n'est pas. N'a pas de problème avec nous, vous le savez très bien. Et puis, surtout la population qui est acquise au changement, elle est restée constante parce qu'elle sait qu'avec Katumbi, les choses vont changer pendant que les autres n'ont pas pu le faire. On va y revenir, mais d'abord l'actualité. Les consultations vont prendre fin aujourd'hui, mercredi. Qu'est-ce que le peuple attend de ces consultations ? Je suis sûr et certain que le chef de l'État, le président, le Raïs Félix Tshisekedi, sait ce que le peuple congolais attend. Bien sûr. Le Raïs Félix Tshisekedi. Le Raïs Félix Tshisekedi. Bobotelis la combo. Non, les Raïs, ce n'est pas son nom. Les Raïs, ça veut dire Raïs c'est en arabe. Oui, chef de l'État. En Swahili, Raïsi. En Tchouba, il faut moi du tout. Mais on connaît aussi les Raïs chez Narambo. Non, non, ça c'est. Évidemment, il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. On ne va pas continuer à appeler quelqu'un président pendant qu'il n'est plus président. Le président aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Tchoulombo. Donc aujourd'hui, le Raïs, c'est donc Félix Tshisekedi. Si. Il renégocie l'accord avec Kabila, il continue avec Kabila. Ce serait un échec de ces consultations ? Je ne pense pas. S'il renégocie l'accord avec Kabila, il est responsable, il sait où ça va l'amener. S'il se désolidarise, il est responsable et sait où ça va l'amener. Qu'est-ce qui est mieux selon vous ? Je ne vais pas donner ici ma position, ok ? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que la majorité de ceux qui l'ont vu lui ont dit. Donc, attendons voir comment ça va se passer. Il est important, cher Peter, de ne pas se rabaisser ou d'entrer dans un débat de la rue, un peu comme si on avait des leçons à donner à ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui. Vous savez, c'est vrai que nous sommes un tout petit peu dans cette ambiance socio-politico-misérable, mais aller jusqu'à penser que voilà ce que moi j'ai dit, c'est ce que le chef va faire, je crois que c'est un peu trop s'hasarder et c'est irresponsable. Mais je sais que le chef de l'État est responsable. Qu'est-ce que selon vous le peuple attend de ces consultations ? Le changement. Qu'il mange bien, que les enfants aient l'école, que les hôpitaux soignent mieux les gens. Et voilà, la paix.
La paix sociale, la paix aussi. Si ça se fera avec les deux raïs, l'ancien et le nouveau, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Bonne chance. Bonne chance. Nous, les katumbistes, pour nous, ce que nous voulons, que le président Félix réussisse son mandat, point barre. Les restes, ça ne c'est pas notre problème. Surtout au sein de l'Académie Katoum, président. Nous voulons que les choses se passent bien. Surtout au niveau des réformes des institutions, réformes de la justice, réformes du système électoral. D'accord. Parce que nous serons, nous, en compétition en 2023. Et ils doivent le savoir. Donc, si le président Félix peut changer ces choses-là, très aussitôt, et nous permettre à nous de pouvoir nous positionner, parce que c'est une compétition. D'accord. Ça brûle le FCC Cash, ça brûle aussi au sein de la Boka. On a suivi la dernière sortie médiatique de Mozito qui a clashé, vous les katumbistes, qui soutenaient un petit monsieur. Je crois qu'au niveau de cette question, nous devons tourner la page. Vous venez de dire tout à l'heure que j'étais à Kikwit, où j'étais très ému de voir des mamans de troisième âge. J'apprends même que l'une d'entre elles, c'est qui avait pris la parole, et était maîtresse du président Mozito, et elles sont venues demander pardon au nom de Mozito à M. Katumbi. Papa, dans la bête, ma maman, faites même quoi, ça n'a pas la langue, papa, pour lui. Tu m'as à la messe, tu m'as ça, tu écoutes là, la vie m'a dit, mais tu m'as dit, Dans ces images, bien sûr. Des images qu'on a vues là. Dans ces images, quand vous voyez la dame qui est en train, qui se mettait à genoux, que vous teniez. Voilà. Nous étions dans notre activité politique, en train d'installer la dynamique entre le président, le cordon Bomachi, Edouard, est à force. Et à notre grande surprise, on voit, en sortant, on trouve des mamans à genoux. Qu'est-ce qui se passe? Même le sol, qu'est-ce qui se passe? Et j'apprends qu'en face, c'est le grand hôtel de Kikwit, qui est l'hôtel de Mozito. Et semble-t-il, j'ai appris que ces mamans font des va-et-vient pour demander si on pouvait les aider. C'est ce que j'ai appris, moi. Et après, ces dames, quand ils apprennent qu'il y avait une activité katumbiste là-bas, elles sont arrivées pour demander pardon au nom de pour leur enfant. Et ça, vous pensez que moi, je peux venir ici dans ce plateau pour... La maîtresse de Mozito est venue demander pardon à Moïse Katumbi. Tout à fait. Pourquoi? Et parce qu'elle est consciente que les déclarations faites par Mozito étaient irresponsables. Et que ce n'était pas normal. Vous allez suivre ces images. Elle le dit en Kikongo, que c'est un parent qui, par mégarde, l'enfant chute dans sa main. Là, le parent n'arrache pas carrément la main. Et que son frère, et que Mozito a vraiment déconné, parce que je suis personnellement le président Mozito devant Marius, qui a perdu carrément la maîtrise de soi, jusqu'à dire des choses. Et je suis sûr et certain qu'en ce jour, le président Moïse le regrette. Et le président Mozito le regrette. Parce que, en tant qu'homme d'État, quelques mois, je l'ai considéré, et même ailleurs. D'ailleurs, j'allais dire, il y a quelques jours, pour moi, c'était un modèle. Je me disais, si je ne travaille pas avec Katumbi, je préfère travailler avec ce monsieur. Parce qu'il a un savoir. Mais malheureusement, quand on a un savoir et qu'on n'a pas la morale ou encore le savoir-vivre, c'est tout simplement... Ou l'éthique. Non, je parle ici de le savoir-vivre. Parce que l'éthique, c'est de la déontologie. Je ne pense pas que la politique soit une profession où on peut y mettre l'éthique et la déontologie. Non, mais par contre, journaliste, militaire, policier, magistrat, avocat, ça, au moins nous avons une certaine déontologie qui sont des principes, n'est-ce pas, qui nous permettent de pouvoir exercer notre profession comme il se doit. Alors aujourd'hui, la Mouka, maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? La catastrophe, ça. Pas du tout. Je crois que la Mouka. Du plomb dans l'aile. La Mouka est une méga plateforme, ok, où on retrouve des grands leaders. Hein, il ne faut pas dire que Mozito n'était pas un grand leader, il reste, même s'il a commis ce petit péché. On a demandé à ce qu'on lui pardonne, et le président Moïse, il lui a pardonné. Ça, il a pardonné. Je peux vous le dire, parce que c'est moi qui étais à Kikwit, j'ai envoyé les images, il m'a dit, Jackie, il faut tourner la page. D'accord. Nous avons des lourdes responsabilités. Vous avez pardonné à Mozito. Nous l'avons pardonné, et particulièrement le président Moïse lui-même. D'accord. Voilà, donc la Mouka reste unie, il faut le dire, et à tout moment, celui qui voudra partir, partira. Parce que ce n'est pas une plateforme qui a une personnalité juridique. Aujourd'hui ou demain, je ne crois pas que Moïse pourra, en termes de trahison,
quitter la Mouka en temps de trahison. Moïse est responsable. Il est parmi les pères fondateurs de cette méga structure. Moïse a beaucoup sacrifié pour que la Mouka vive. Même la question était simple, vous vous rappelez. Est-ce que Moïse est financier? Non, monsieur, Moïse n'a jamais été financier de la Mouka. Point barre. Est-ce que Moïse a financé? Évidemment, je viens de confirmer, oui, Moïse a financé énormément d'une manière ou d'une autre. Parce que si moi on me dit, est-ce que vous avez des preuves que Moïse a financé? Je dis tout de suite, oui. Moi, Jackie, j'ai reçu 50 000 $ pour ma campagne. On m'a obligé de mettre l'effigie de Fayoulou sur mes affiches. On m'a obligé de descendre au niveau de la campagne et de parler de numéro 4. On me l'a obligé. S'il vous plaît. Par ta hiérarchie. Évidemment. Politiquement. Et j'ai fait le travail comme il se devait. Et c'était pas l'argent de ma poche. C'était l'argent de monsieur Katumbi Tchapwe Moïse. Donc, à mon niveau, en tant que candidat, en tant que celui qui a accompagné la candidature de monsieur Fayoulou, ayant reçu l'argent de la poche de monsieur Katumbi, je suis sûr et certain que pour moi, Moïse a financé la campagne de monsieur Mozito. Et bonne chance, il avait réussi. Kikout, c'est comment? Ça va la vie là-bas? C'est bon? C'est dur. Vivre à Kikout, c'est dur, un peu comme partout ailleurs. Et je vis une population acquise au changement volontaire, qui est une population merveilleusement amicale, hein, fraternelle, où on ne sait pas, comme on le disait avant, faire la différence entre le Luba, le Mukongo, le Swahili. Non. Les Kikoutois sont des patriotes. Mon cher Peter, je peux franchement te le dire en face, c'est une population extraordinaire qui nous a reçus avec fierté, qui nous a accompagnés, qui nous a logés et qui nous a nourris. Je ne veux pas entrer dans le terre à terre. Si je veux un peu dans ce que nous appelons ici à Kinshasa, Balakin, donc que tu as faim. Ma vraie chérie, ma vraie Joe, tu auras bien, et puis Bazana, ambiance César. Maman, ça tout, mais surtout nommé là-bas, système en annonce, quitte au macas. Regarde, courant des amants, mon boulot. Courant, évidemment. Merci pour aborder la question. Je crois que 60 ans, quand même, après, qui quitte une ville, s'il vous plaît, parmi les grandes d'ailleurs, ou pour ne pas dire la plus grande du grand Bandundu, manquer du courant, je crois que c'est juste cette question de mauvaise volonté. Ou simplement, ils ont compris que Kikuit est tellement proche de Kinshasa, et que si ces villes qui entourent Kinshasa immédiatement connaissent leur expansion, leur développement, et Kinshasa sera, un peu comme une grande ville ouverte à l'opposition. Et je me dis, on a privé les fils et filles du Kikuit le courant pour les laisser tout simplement complexer. C'est ça, complexer. Mais Dieu merci, il y a notre frère Babenga qui est mort. Non, on a l'allé en tel naïe. Les gars, franchement, il est terrible. Hein. Je le félicite, hein, les amis, c'est l'hôtel. Mais il y a encore un hôtel à Mwanda, il est partout. Non, mais ce gars a investi. Il a un hôtel à Mwanda, qu'on est à Mwanda. C'est une fierté. Son nom, c'est comment? Mort. Il a un nom. Ce monsieur n'est pas passé en politique. Mais il faut voir ma moisson qui quitte. Non, tel le courant, ça tombe au bout du pot. Voilà, ça c'est une fierté. Hein, c'est comme un peu comme on dit Moïse, qui a réussi dans ce business privé, mais il vient en politique, évidemment, pour des questions patriotiques. C'est différent. Moi, j'ai réussi dans le média. Moïse s'est enrichi. Non. Moi, Jackie, j'ai réussi dans le média et je viens en politique pour des raisons patriotiques. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre la profession de quelqu'un et l'engagement politique. On a dit Moïse n'avait pas réussi en privé, il est venu s'enrichir en tant que gouverneur. Mais je crois que si Moïse n'avait pas réussi en privé, il n'allait pas être président des Mazembe bien avant cela. Moïse, bien avant qu'il ne soit gouverneur, il était déjà millionnaire. Il avait déjà un jet privé. Il était déjà respecté dans les milieux des affaires africains. Vérifiez. Je crois qu'aujourd'hui, bon, je ne veux pas être trop terre à terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je veux qu'on mette le débat à un niveau patriotique et qu'on parle du Congo. Le Congo a de sérieux problèmes aujourd'hui. S'attaquer entre leaders politiques, c'est irresponsable et c'est de lâcheté. Hein, il faudra que les erreurs commises soient tout de suite corrigées. À la rigueur, moi je demande au président Mozito de présenter ses excuses au président Moïse Katumbi. Je crois que c'est sportivement. Ça passe. D'accord. Voilà. La prochaine étape, c'est quoi? Nous préparons pour aller en Bandaka et puis Goma, Bukavu. L'objectif poursuivi, c'est quoi exactement? L'objectif de la dynamique Katumbi président, c'est défini, n'est-ce pas, par rapport à sa dénomination. Une dynamique des Congolais, des jeunes, des mamans, des femmes qui se mettent ensemble, qui ont foi, qui pensent qu'avec la philosophie katumbiste, ce n'est pas avec Katumbi, attention. La philosophie katumbiste. La philosophie katumbiste, c'est quoi? La philosophie katumbiste, c'est aussi une philosophie katumbiste. Tout à fait, c'est résumé par le fait que pour Katumbi, okay, le Congo, au-delà des richesses, l'or, cuivre, coltan, cobalt, mais Katumbi dit, lui, que
la plus grande richesse, la plus grande, la richesse consacrée, c'est l'homme congolais. Voilà un peu où part. Et il dit, en tant que businessman, en tant que manager, il dit, l'homme. Donc, tout doit partir par les capitales humains. Ça, c'est génial. Tous ceux qui sont venus ici, ils voient le coltan, le cobalt. Mais Katumbi, lui, pense que c'est l'homme qui est au cœur de toute chose. On ne peut pas développer le Congo si on ne développe pas l'homme congolais. On ne peut pas construire le Congo si on n'a pas construit l'homme congolais. Tout doit partir par l'homme congolais. Et avec l'homme congolais, le Congo sera construit. Voilà un peu la philosophie Katumbi. Ce que nous défendons, ce que nous sommes prêts à pouvoir promouvoir, communiquer là-dessus, pour que l'homme congolais prenne conscience que le Congo ne pourra pas faire un seul pas sans lui. C'était Jacinda, la présidente de DKP, l'invité du Vrai Journal. Et cette triste nouvelle avant de nous quitter. La légende du football Diego Maradona s'est éteint à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kikwit ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.